Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue dans la zone sportive. Aujourd'hui nous parlons du sport et aujourd'hui nous avons en plaisir de recevoir un invité. Il va se présenter. Bonjour, Bonjour monsieur Calbon, j'espère que vous allez bien. Ouais, très bien. J'espère que vous êtes bien en forme. Ouais, on peut dire ça. Aujourd'hui nous parlons du sport avec vous. Un tout petit peu, même si pas trop fort en sport. Alors, aujourd'hui nous avons une actualité qui intrigue tout le monde, bien sûr, une actualité de la superstar du football mondial, Cristiano Ronaldo, qui a lancé sa chaîne YouTube depuis hier, bien sûr. À signaler le site de la chaîne a été lancé depuis un certain 8 juillet 2024, mais la chaîne a été active depuis hier. Alors, une explosion mondiale qui fait parler déjà tous les médias. Et vous, c'est quoi votre impression par rapport à cette grande actualité du football? Bien sûr, c'est la plus grande actualité, bien sûr, sportive. C'est une grande actualité sportive avec cette nouvelle chaîne de Cristiano Ronaldo. IR Ronaldo. Voilà, 17,6 millions de vies dans moins de 24 heures. C'est juste impressionnant. Et déjà, parce que la chaîne, comme tu l'as dit, la chaîne existe depuis 8 juillet 2024, mais c'est depuis ses 21 juillet qu'il a Ronaldo a posté la première vidéo sur sa chaîne. Cette vidéo a su réaliser déjà 12 millions de vies dans moins de 21 heures. C'est normal. C'est vrai, c'est incroyable ce qui se passe avec la chaîne de Cristiano. Et si on peut revenir vite fait sur cette grande actualité, Ronaldo, l'une des figures les plus emblématiques du football mondial, a récemment lancé sa chaîne YouTube en grand pas dans le monde numérique, a lancé sa propre chaîne YouTube. Ses projets ont immédiatement capté l'attention des fans du monde entier et il semble déjà connaître un succès retentissant ou carrément une plateforme pour partager sa passion. La chaîne YouTube de Cristiano Ronaldo ne se limite pas sur des vidéos de football. Elle a pour objectif de donner aux fans un aperçu exclusif de sa vie quotidienne, de ses entraînements, de ses passions en dehors des terrains, bien sûr. Le football, ou plutôt le vidéo, inclut des moments de sa vie personnelle, ses entraînements intensifs, ainsi que des conseils de fitness, ce qui attire non seulement les amateurs de football, mais également ceux-là qui sont intéressés par un mode de vie sain et actif. En déménage ou carrément en démarrage explosif dès les lancements, la chaîne YouTube a enregistré des millions d'abonnés et propulsant Ronaldo vers les sommets des créateurs des contenus les plus suivis sur la plateforme. Les vidéos publiées jusqu'à présent ont été vues par des millions d'internautes, voulais-je dire, et ce qui témoigne de l'énorme influence de la superstar sur le plan mondial. Un engagement authentique envers des fans, bien sûr, et ce qui distingue la chaîne des Ronaldo, c'est son engagement authentique envers ses fans. Il interagit souvent avec ses abonnés et répondant à leurs questions et prenant en compte leurs suggestions pour des futurs contenus, bien sûr. À cette proximité avec des supporters renforce les liens qui unissent et démontre que Ronaldo ne se contente pas d'être une figure publique mondiale, mais veut également construire une communauté pour son impact et sa carrière. Et ce nouveau projet pour également avoir un impact positif sur sa carrière en touchant un public plus large. Ronaldo renforce sa marque personnelle et explore des nouvelles avenues commerciales. Et les partenariats avec des marques pourraient également prospérer grâce à sa présence numérique accrue, bien sûr, permettant à l'icône de continuer à innover même en dehors du terrain. Le lancement de la chaîne YouTube de Ronaldo marque une nouvelle étape dans sa carrière et un ajout fascinant à sa performance des communications avec ses fans. Avec un contenu varié et une approche engageante, il est clair que Ronaldo est prêt à dominer également le monde des médias numériques. Les passionnés de sport et des lifestyle peuvent s'attendre à une aventure palpitante et qui ne fait que commencer. Restez connectés pour suivre son parcours sur YouTube. Alors, M. Calvin, aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler, bien sûr, du football, mais nous allons peut-être toucher sur le plan numérique. Et c'est quoi les conditions pour être récompensé par YouTube? C'est quoi les conditions pour être certifié, bien sûr,
Parce qu'on a vu, après juste la publication, le premier post sur la chaîne YouTube de Ronaldo, il a déjà réussi des certifications. Trois, d'ailleurs. Ouais. C'est quoi les conditions des YouTube pour être certifié? Ah, bien sûr. Ouais, bien sûr que lorsque une chaîne YouTube, dans vidéaste ou non, attend bien sûr un certain échelon d'abonné. Donc, tu as juste un trophée où se trouve encadré les symboles du bouton lecture au play bouton de YouTube. Okay. D'abord, le premier niveau, c'est le niveau graphite. Là, c'est pour des chaînes à partir des 100 abonnés. Okay. Déjà, à partir de 500 abonnés, les chaînes peuvent créer une communauté et des posts. Ouais. Mais niveau opale, c'est pour des chaînes avec 1000 abonnés. Mais là, on ne reçoit rien. Il y a aussi le niveau bronze. Le niveau bronze, c'est pour les chaînes avec 10 000 abonnés, mais YouTube n'envoie rien. Déjà, YouTube envoie les trophées à partir des trophées en argent. Un trophée d'argent est décerné au créateur. Et il y a attend la barre des 100 000 abonnés sur YouTube. Ouais. D'ailleurs, bientôt, peut-être que Sonar va recevoir ses trophées. Parce que déjà, presque à 70 000. Il y a aussi, et puis Cristiano a réalisé cet exploit, a reçu les trophées d'argent dans moins de 10 minutes, la création même, carrément de l'activité des Et puis nous avons les trophées en or, ces trophées qui est même une récompense prestigieuse remise aux créateurs et a franchi les 40 millions d'abonnés sur leur chaîne. Et déjà, dans 6 heures simplement, Cristiano a reçu les trophées en or. D'ailleurs, on l'a vu, il a présenté même à sa famille ses trophées. En or, bien sûr, dans ses trophées. En or incarne non seulement le succès massif des créateurs, mais aussi les liens forts qu'il a établis avec sa communauté. Donc les gold. Play bouton, c'est juste un bouton en métal doré d'environ 17 cm x 17 cm. Et puis nous avons les trophées diamant, voilà, les Diamond Play, et attribué au créateur et atteint une étape exceptionnelle des 10 millions d'abonnés. Ouais. 10 millions d'abonnés. Et Cristiano est déjà combien? À 17,7 millions d'abonnés. Non, il a déjà ses trophées diamant. On peut dire que le Diamond Play est juste un trophée en métal. Légèrement plus grand, mesurant environ 29 cm sur 16 cm. Ouais. Et puis il y a aussi les trophées personnalisés. Donc ces trophées fut juste accordés aux chaînes avec 50 millions d'abonnés. Et on espère que dans peut-être en Twitter, Cristiano va réaliser cet exploit. Donc, parce que pour le moment, on compte 17 chaînes et a atteint ce niveau, dont 5 et a confirmé une réception. Si on peut revenir sur. C'est très important. Il y a. PDP, bien sûr, qui fut même la première chaîne à atteindre ce niveau, le 8 décembre 2016. Il y a Tusseri, il y a 5 minutes, il y a Coco Melon, il y a 7 Indian, il y a Canal Kanzila, WWE, Justin Bieber, Z Music Company, Like, Doug Perfect, Keith Diana Show. Et voilà, il y a vraiment plusieurs chaînes, Blackpink, Marshmello, Mr. Best, qui avait même réussi ce trophée le 3 janvier 2021. Et puis après, il y a aussi le trophée Diamant Rouge, le Red Diamond Play. C'est même la plus grande récompense, bien sûr, remise au créateur et à attendre l'extraordinaire seuil de 5 millions d'abonnés ou plus. Il y a ce trophée rare et exclusif et un témoignage des renommées mondiales des créateurs et de l'impact considérable de sa chaîne. Dans les Red Diamond Play, c'est juste un trophée de 21 cm sur 21 cm orné d'une finition rouge distinctive. Pardon. Et puis on peut dire que je vous ai parlé de Mr. Best qui est au-delà même du Red Diamond. Parce que si on visite un tout petit peu sa chaîne, il est même le youtubeur le plus suivi, bien sûr, Mr. Best. Je pense que YouTube est en train même de chercher un trophée à donner à Mr. Best qui est déjà 311 millions d'abonnés. Alors, on attend de voir si Cristiano va aller au-delà de ces grands youtubeurs. On l'espère bien sûr, parce que Ronaldo, c'est vraiment une icône mondiale, parce qu'il a signalé également que jusqu'à présent, il reste. La seule personnalité la plus suivie également sur Instagram. On espère bien sûr qu'il va bouleverser la tendance sur YouTube parce que dans moins des 24 heures, il accumule déjà plus de 17 millions d'abonnés. Alors imaginons dans un mois,
ça va peut-être cartonner, ça va péter en câble. Ouais. Ouais, bien sûr. Parce qu'on attend, on attend voir ce que ça va donner. Merci, on espère bien sûr qu'il pourra atteindre ses niveaux. Alors merci infiniment de votre intervention dans cette production sportive d'aujourd'hui. Merci infiniment. Merci également à tous les téléspectateurs, à tous les abonnés qui nous suivent chaque instant. Merci infiniment, c'était Zone Sportive sur Zone Art TV. Il était à la présentation, mais c'est réconfortant. Merci à Ami Trésor qui était derrière cette caméra. Merci à toute l'équipe Zone Art. Merci au PDG Calvin Moulongo. Merci au DG, l'ingénieur Alphonse Biragui. Merci à toute l'équipe. On se retrouve à la prochaine.